Excellences, Monsieur le Gouverneur, à l'occasion de la cérémonie de signature des protocoles préliminaires de collaboration entre la province de Lomami et Pairo Technology, j'ai le privilège d'inviter Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province de la province de Lomami, Son Excellence Natari Lunga Nungi, de s'approcher à cette table afin de procéder de façon formelle et solennelle à la signature du protocole de collaboration. Le gouvernement provincial de Lomami et l'entreprise turque Pairo Technology ont signé mardi 5 juin 2023 à Istanbul, capitale économique de la République turque, un protocole de collaboration préliminaire qui vise à disponibiliser des fonds pour la réalisation de projets multisectoriels d'urgence et à long terme dans le secteur des infrastructures routières, immobilières, énergétiques, agricoles et bien d'autres. La signature de ces documents est intervenue après plusieurs séances de travail au cours desquelles les potentialités de la province de Lomami dans tous les secteurs ont été présentées aux investisseurs turcs par le gouverneur de province Nata Ilunga Numbi, qu'accompagnait le ministre provincial de Mines, Trésor Chubangu Ilunga. Ces protocoles de collaboration est un nouveau pas pour le lancement des investissements turcs à venir en République démocratique du Congo en général et en particulier dans la province de Lomami, a expliqué le ministre provincial de Mines, Trésor Chubangu Ilunga, selon ces derniers. Ces protocoles de collaboration est aussi en effet signé dans l'idée de relancer la culture de coton au territoire de Lobao, de faire la prospection minière dans la province de Lomami et de construire des centres de formation de la main-d'œuvre locale qui sera utilisée dans tous les projets. Je vous encourage et vous invite à venir à Lomami pour que les travaux débitent. Après l'aide de la descente de ses investisseurs à Lomami, le ministre provincial de Mines, Trésor Chubangu Ilunga, est lui resté afin de procéder à l'élaboration du chronogramme des activités au regard des engagements pris par la province. Demeurant dans la logique de son mentor, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, il y a 2 ans, avait signé un protocole d'accord avec son homologue turc, le gouverneur de la province de Lomami, Nata Ilunga Numbi, reste déterminé à actionner sa stratégie de développement et écrire autrement l'histoire d'une entité où le peuple était visiblement fatigué des discours.